Mes chers petits amis, bien bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la première vidéo sur historique sur la peste et plus particulièrement mes recherches personnelles sur le sujet que j'ai effectué tout au long de mon master. Donc, ce sera une vidéo de préférence entre 15 et 20 minutes. Ça va dépendre à peu près de la longueur de l'exposé. Mais en tout cas, chose promise, chose due, je vous la fais et je vous conseille de prendre un bon thé et de vous caler bien confortablement et on va commencer. Quand nous parlons de peste, nous avons quoi à l'esprit? On a à l'esprit la forme un peu caricaturale qui est l'espèce de bonhomme avec sa grande robe, soit noire, soit rouge, avec l'espèce de gros bec, de masque en forme de gros bec. Voilà un peu ce que nous avons dans notre inconscience collective, ainsi que bien entendu la grosse vague de mortalité, ça va sans dire, mais on ne sait pas grand chose à part ça de la maladie en elle-même. C'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. Donc on va dans cette vidéo, on va expliquer un peu la peste en elle-même, ce que c'est, en quoi ça consiste, les recherches qui ont été menées dessus. Alors, je parle des recherches sur la maladie en elle-même et pas les recherches historiques à proprement parler qui ont été faites ces derniers temps. Et les différentes formes de peste et aussi, puisque moi je travaille dans un cadre régional, local, sur l'impact qu'elle a eu sur notre chère ville rose qui est Toulouse. Donc, qu'est-ce que la peste? La peste, c'est une maladie infectieuse qui se transmet de l'homme à l'homme par la pu... du rat, on va dire théoriquement du rat à l'homme par le biais de la puce. Cette maladie a été découverte par Alexandre Yersin en 1898 à Hong Kong. Vous allez me dire, mais attends, Hong Kong, c'est quand même pas la porte à côté. Comment ça se fait qu'on ait mis autant de temps à mettre en fait un nom sur la maladie? La chose est très très simple. En Chine, à cette époque-là, une grosse épidémie de peste a frappé, plus grosse que ce qu'on pourrait penser, et ça faisait énormément de ravages. Il y a déjà sur place une équipe qui est dirigée par un japonais qui s'appelle Kitasato Shibazaburo. Oui, j'ai les mots-clés là sur le côté, c'est pour ça que je regarde un peu de temps en temps, qui est déjà sur place. Le problème, c'est que ce monsieur, ne pense pas que, pense que c'est la peste, mais il ne tient pas spécialement à la traiter d'une certaine façon, donc c'est un royal échec. Yersin arrive, c'est une catastrophe monumentale, il y a des morts partout, dans toutes les rues, et il refuse de traiter la maladie de la même façon que son collègue. Donc, il effectue d'autres recherches, d'autres expérimentations. C'est au cours d'ailleurs de cette expédition que Yersin va découvrir véritablement le bacille en lui-même. Alors je vous passe les détails bien évidemment sur la complexité de ces expérimentations, toujours est-il qu'il a pu mettre en fait la lumière sur le bacille en lui-même et expliquer concrètement en quoi cela consistait. Donc il a mis en lumière exactement le bacille en lui-même. Par contre, il n'a pas mis en lumière, on va dire, comment se fait-il que la peste passe du rat à l'homme. Ça, c'est venu bien plus tard par les expérimentations et les recherches de Paul-Louis Sigmund, Sigmund avec un D, pas avec un S, pas Simon, Sigmund, qui lui, par contre, met en lumière le chaînon manquant de cette histoire. Il met en avant, avec des expériences sur différentes puces, le chaînon manquant de la transmission de l'homme, enfin du rat à l'homme, avec ce petit chaînon manquant qui est la puce. Donc voilà, ça se fait à peu près à la même période par ailleurs, sauf que lui, il n'est pas en Chine, il est en Inde, et c'est à ce moment-là qu'il arrive à mettre en lumière la fameuse notion manquante de ce mode de transmission. Donc,
La maladie, elle entraîne quoi? Une fois que la puce nous pique, elle entraîne une forme de nécrose qui se caractéristique par une espèce de petite tache noire qu'on appelait autrefois un anthrax, à pas confondre avec la maladie. Anthrax, c'est un nom. On l'appelle ça un anthrax parce que tout simplement, ben, ça fait comme une grosse tache noire. Et c'est là où, en fait, on sait que la puce nous a piqué. Donc, le bacille se transmet par le biais des muqueuses qui ensuite passent dans l'organisme. Et en général, ça se fait par un contact plus ou moins direct, même si on verra que plus tard, il y a dans d'autres formes de peste, ce n'est pas toujours le cas. Donc, cela signifie qu'il y a aussi une espèce de surinfection qui peut être très fréquente, mais le bacille ne se développe qu'au bout d'un certain nombre de jours. Donc voilà, et aussi, disons qu'il a tendance à non plus. Enfin, il se développe au bout d'un certain nombre de jours, sauf si vraiment la personne meurt entre-temps, et là, en l'occurrence, il ne survit pas excessivement longtemps. Dans le sol, le bacille meurt rapidement, enfin le virus meurt rapidement, mais il survit par contre dans les terriers de rongeurs, c'est-à-dire qu'un terrier de rat peut être un foyer en lui-même à peste, enfin un bacille de peste, mais ça arrive quoi. Donc voilà. Ensuite, c'est justement cette forme-là, cette forme très agressive de peste, qui frappe justement en 1347-1348. Pourquoi je mets les deux dates? Parce que selon, en fait, la région où on se trouve en France, ça va être soit 1347, soit 1348. Donc, par commodité pour moi-même en tant que chercheuse, je mets les deux. Donc, comment la peste, en fait, se manifeste en Europe? Elle se manifeste déjà, bon, par ce qu'on sait, ce qu'on en sait, mais elle s'additionne en fait à un contexte déjà bien particulier, qui est un contexte de guerre et qui est un contexte aussi de famine et de disette. Donc ça, ces facteurs-là, plus la peste, ça en fait que ben, la population se trouve très gravement infectée. Comment la peste en fait arrive en Europe? C'est très simple. Elle fait déjà des ravages du côté de la Mongolie au tout début du XIVe siècle des années 1320 et elle arrive progressivement à s'étendre en Chine. Puis après, progressivement par le biais des voies terrestres, et là ce sont plus, on va dire, les routes commerciales et les voies maritimes, celles-ci arrivent à peu près à s'étendre un peu partout. En Europe, on connaît particulièrement bien l'épisode de la prise de Crimée, enfin, oui, de la prise de Crimée, si on veut, on va dire, de l'escarmouche en Crimée entre les Génois et la Horde d'Or, dont les membres étaient déjà infectés. Étaient déjà bien infectés, bien comme il faut. Et comme ils n'avaient pas très envie que leurs collègues génois avec qui ils avaient eu, on va dire, des démêlés s'en sortent intacts, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces braves hommes? Eh bien, ils ont eu la très très bonne idée, tout simplement, de catapulter les cadavres de pestiférés par-dessus carrément les murs de la ville. Ce qui fait qu'ils ont réussi à infecter les Génois de façon, on va dire, très 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 sournoise et de façon très rapide. Donc, ça, c'est en 1345-46. Les Génois tombent malades, bien évidemment, et ce qui se passe malheureusement, c'est qu'une fois que les Génois se sont sortis, on va dire, on va dire, de cette situation, ils réussissent à apporter le virus avec eux en Europe, et plus particulièrement, au tout début, en Italie. Eh ben ouais, les Italiens, eux, ils sont infectés les premiers, notamment les grosses villes marchandes comme Florence, comme Milan ou comme Venise. Bon, on va pas se mentir, ces derniers se font quand même un petit peu refouler parce que ben on s'aperçoit qu'ils sont quand même un peu malades, hein, ils peuvent pas le cacher longtemps. Donc on va dire qu'ils ont quand même bien infecté l'Italie. Et ensuite, ben, il frappe bien évidemment ben, les ports européens, les ports français, et en particulier Marseille. Eh ben ouais. Donc, on va dire que la peste est arrivée en France par le biais de Marseille, et elle a continué son petit trajet tranquillou jusqu'à notre bonne vieille ville de Toulouse. Et ben, ça se passe pas forcément comme on l'espérait.
Mais elle n'affecte pas forcément que l'Italie et la France. Les autres pays sont également touchés. L'Empire byzantin est touché, les contrées du Nord sont touchées, l'Europe de l'Est est touchée aussi. Bref, on va dire tout, on va dire toute l'Europe méridionale est touchée, et ça se peut se chiffrer en plusieurs milliers de morts. Ce qui se passe, c'est que au vu de ces grosses mortalités, les Italiens se sont dit, ben, on va peut-être prendre des mesures pour essayer d'endiguer ça de façon un petit peu subtil. Si, par contre, si vous entendez du bruit, c'est normal. J'ai le ventole à côté, sinon je crève de chaud. Bref. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on voit se pointer plus ou moins rapidement des mesures de confinement, des mesures d'isolement des malades. En Italie, en premier lieu, notamment à Venise et à Milan, on commence à voir par. Ça, c'est les autorités locales qui mettent en place. Hein. Faut bien se reconstituer. C'est les autorités locales qui le mettent en place. C'est-à-dire on va mettre en place la quarantaine. La quarantaine a été mise en place là. Le mode isolement également. On va essayer plus ou moins de contenir la maladie. Mais malheureusement, c'est fait de façon progressive et c'est fait de façon, on va dire, pas tardive, mais on va dire au ralenti. Donc, ça se révèle pas forcément ultra suffisant. Et pour ceux qui vont me demander, mais en France, on n'a pas fait la même chose? Ben, si, on l'a fait, mais disons qu'avant, on va dire, de le faire, on a tergiversé pendant 3 heures. On verra ça dans un prochain épisode. Bref. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le contact entre personnes, bien évidemment, favorise bien évidemment la maladie. On essaie de limiter, mais c'est pas toujours très évident. On le voit même avec le contexte actuel, c'est compliqué. À côté de cela, on essaie de se dire, bon, la peste est venue en Europe, comment ça se fait qu'elle soit là? Donc, on va chercher des réponses du côté de la religion, du clergé, du côté des intellectuels et du côté des médecins, en sachant que les médecins de l'époque sont plus des intellectuels que des médecins à proprement parler. Donc, on va essayer de trouver des hypothèses. Alors, certains vont se baser sur les. Vont tout simplement. Le clergé va dire très clairement, c'est le résultat de la punition divine. Dieu punit les hommes pour leurs péchés. Ok. Le corps médical, lui, va se baser plus sur des choses. Je dirais pas farfelu, mais peut-être plus terre à terre, en mettant la cause de la peste sur des miasmes, c'est-à-dire sur des microbes, enfin, ce que nous on qualifierait de microbes, mais aussi sur une forme de corruption de l'air, voire des théories qui sont un petit peu tout aussi, peut-être tout aussi fantaisistes aussi, mais qui ont tendance à faire un peu voix à cette époque-là. Et qui ont tendance à trouver leurs adeptes. À côté de cela, qu'est-ce qu'on va trouver aussi, et ça c'est peut-être le caractère le plus malheureux, on va dire, de l'histoire, c'est on va aller tout simplement tenir pour responsable des personnes, ce qu'on qualifie pour l'époque de population marginale, comme étant les responsables en fait de la venue de la peste. Alors, ça va être tout ce qu'on entend par population marginale pour l'époque, je vous situe bien, ça va être les populations juives, ça va être les lépreux, ça va être les prostituées. En fait, on va dire on va dire toutes ces populations qu'on a tendance à stigmatiser, à mettre de côté et à qui on s'en prend allègrement quand il y a un malheur en fait qui se pointe. Donc, on va dire s'en prendre à eux parce on les accuse un peu de tout et de n'importe quoi. Ça, c'est pour les. Qu'est-ce que la peste? Maintenant, on va en venir aux différentes formes de peste. Alors, il y a trois formes de peste. Vous avez la peste bubonique. Oui, trois. Vous avez trois. La peste bubonique, on connaît tous, parce que bon, on a vu plus ou moins des représentations de pestiférés. On a la peste pulmonaire et on a la peste septicémique. La peste bubonique, c'est quoi? C'est on va dire la phase la plus connue, on va dire, de l'épidémie de peste, c'est-à-dire avec les gros bubons sur les côtés, enfin, tout ce qu'on sait, on va dire, du pestiféré de façon générale. Elle est due à quoi? Elle est due au fameux bacille découvert par Yersin, qui est le Yersinia pestis,
qui porte le nom de Yersin d'ailleurs, et qui est en fait le nom scientifique en fait du fameux bacille de la peste. On pense que cette forme, au tout début, s'est d'abord cantonnée, bien évidemment, à la région asiatique, et elle s'est cantonnée à la région asiatique jusqu'au XIVe siècle, puisque, je vais faire un petit rappel, on n'a plus de cas de peste, en fait, depuis le VIe siècle en Europe. Donc, il y a quand même pas mal d'écart entre les 1500 et les 1300, mais bref. Et c'est exactement, selon les spécialistes, cette forme de peste qui est à l'origine de la peste de 1347-1348, ce qui n'est plus, on va dire, à démontrer de nos jours. Donc, elle se transmet bien évidemment par la puce du rat, et pas par d'autres puces, uniquement la puce du rat, mais d'autres ont tendance à mettre en avant les poux et les punaises, parce qu'elles-mêmes peuvent se nourrir de sang, même si beaucoup de spécialistes pensent que c'est totalement erroné comme raisonnement. Moi, je n'en pense rien. Donc, comment ça se transmet? Eh bien, pour que la puce, en fait, contamine une personne, il faut que la puce se soit elle-même infectée. Alors, je vous passe les détails de comment on caractérise une puce infectée ou pas. Toujours est-il que le principal porteur de cette puce, ce sera toujours le rat et jamais un autre animal. Et là, vous allez me regarder en mode, mais attends, une puce est une puce. Pour quelle différence il y a? En fait, il faut savoir que chaque animal, que ce soit le chat, le chien, le lapin, même l'homme, ont chacun leur puce. Et en fait, ces puces-là, si elles ne trouvent pas leur hôte, bien sûr, leur hôte habituel, leur hôte de prédilection, bien sûr qu'elles auront tendance peut-être à piquer une autre espèce, mais ce sera que le dernier recours, et vraiment si elles n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent. Ben, la puce du rat, c'est exactement la même chose. Quand un rat meurt de la peste, et ben, ces puces-là vont aller chercher un autre rat infecté, ce qui est logique. Mais s'il n'y a pas de rat aux alentours, et ben, elles vont aller piquer l'homme, mais ce sera vraiment au dernier moment, en fait. Ça veut dire si elles ont vraiment, vraiment trop faim et qu'elles se disent, bon ben, c'est pas notre repas habituel, mais tant pis, on fera avec. Donc, pour distinguer, en fait, il y a aussi dans les puces du rat des sous-catégories, enfin, pas des sous-catégories, mais il y a d'autres puces qui sont déjà. Alors, il y a la puce du rat commun, je vais vous passer en fait Xenopsylia caeopis qui est la puce du rat en tant que telle. Vous avez une autre puce qui est plutôt la puce du rat sauvage, dont je vais vous passer les détails parce que c'est pas forcément la puce qui nous intéresse le plus. Et vous avez vraiment la puce de l'homme qui, elle, par contre, peut éventuellement aussi vous infecter l'homme, mais voilà, c'est pas forcément. Enfin, ce sera celle qui va transmettre la peste à l'homme, mais disons que bon, ce sera principalement la puce du rat qui va vraiment la transmettre. Concernant en fait la reproduction de ces puces-là, bah, la puce tout simplement va avoir besoin d'un hôte, ça c'est très clair, mais aussi d'un. On va dire, on va partir un peu dans la zoologie, tant pis, on va dire qu'elle a besoin aussi de conditions favorables. La puce n'aime ni trop la chaleur ni le froid, elle aime vraiment l'entre-deux, même si elle a tendance à préférer plus le chaud et l'humidité, ce qui est plus ou moins logique. Et c'est là où elle prolifère le plus. La puce du rat. Et une, je ne vais pas dire une puce assez particulière, mais c'est une puce en fait qui, si on regarde bien, est assez logique, parce que les épidémies de peste, c'est quasiment pendant plus ou moins les grosses périodes de chaud, et en hiver, il n'y a pas grand-chose. Donc, quelque part, ça suit un peu aussi l'évolution de la bête. Au Moyen-Âge, ce qu'on pense véritablement de ces bêtes-là, bah déjà, on n'a pas forcément conscience qu'une puce peut transmettre la maladie, donc en fait, on ne se penche même pas sur leur cas. En revanche, on essaie quand même de se prévenir contre ces puces qui sont des véritables parasites, notamment par le biais d'huile, avec de l'huile d'olive, enfin, avec certains, notamment des huiles alimentaires, qui ont, soi-disant, des vertus contre ces bestioles.
Il y a aussi des animaux qui n'ont jamais de puce parce que tout simplement, leur odeur les rebute ces parasites. Vous avez les chevaux et les buffles qui n'en ont jamais, ce qui est logique. Ensuite, ce qu'on peut dire très très clairement, c'est que même les rongeurs sauvages peuvent être infectés par la peste. Ricardo Georges met en avant dans ses recherches sur la peste que les rongeurs sauvages, pas seulement le rat, mais d'autres rongeurs peuvent être également porteurs de puces, enfin de puces, mais aussi de la peste en elle-même. Et notamment au moment de l'hibernation, c'est-à-dire au moment où la bête, enfin la bête n'est pas active, n'est pas active, ne fait rien, et c'est là au moment où ben, la puce a tout à fait le temps et le loisir de proliférer. Maintenant qu'on a vu ça, on peut tout aussi bien se demander, mais enfin, mais un rat, c'est un rat. Y a pas de différence entre, je sais pas, moi, un rat domestique que vous trouvez dans une animalerie ou un rat que vous trouvez dans la rue, à part la taille, bien sûr. Ben, en réalité, c'est pas forcément le cas, en fait. Vous avez le rat noir classique, qu'on appelle le Rattus rattus, qui, lui, est en Europe, en fait, depuis minimum la fin du Moyen Âge. C'est celui qu'on connaît le plus et c'est celui qu'on soupçonne en fait d'être à l'origine vraiment de la maladie. Le rat gris, par contre, viendra beaucoup plus tard parce par bateau. Donc c'est vraiment pas le. C'est vrai qu'un rat est un rat, mais ça reste quand même un. C'est deux comportements différents avec des modes de vie différents. Le rat noir, par exemple, a plutôt tendance à rester à un endroit bien précis, alors que le rat sauvage, lui, va plutôt aller gambader à droite et à gauche, quoi. Donc, d'un point de vue, comment dire, zoologique, c'est pas du tout la même chose. Le rat noir, il va préférer, les endroits, les habitats plutôt secs, comme les cabanons, des choses comme ça, alors que le rat gris, il va préférer les trucs plus humides, comme les caves. Et d'opus, il sera peut-être beaucoup, il est beaucoup moins sensible que son cousin européen, enfin son cousin le rat noir, à la maladie, ce qui n'est quand même pas négligeable. Après, il faut savoir quand même que quand l'homme est piqué, l'homme a la peste dans le sang, il n'est pas, on va dire, il n'est pas immunisé. Il n'a, on va dire, aucune immunité, il n'a pas été vacciné, il n'a rien. À cette époque-là, déjà, les vaccins n'existaient pas, et surtout, depuis le 6e siècle, voire 7e siècle, il n'y avait plus de peste. Donc, les gens n'étaient plus immunisés du tout, on ne connaissait plus du tout, on va dire, le. On ne connaissait plus du tout, en fait, cette maladie. Donc, en fait, on était complètement dans le flou, et c'est ce qui fait que ça rendait, ben, les personnes vulnérables à cette maladie. Même si la gravité, selon la gravité des cas, était variable d'une personne à l'autre, ça restait quand même une maladie qui avait un temps d'incubation très rapide, qui pouvait se développer rapidement, qui pouvait avoir des conséquences très, 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 très graves. Donc, on est quand même dans le flou. Petit à petit, on commence à voir des symptômes, on commence à connaître les symptômes de la peste. Donc, les symptômes de la peste, c'est quoi? Ben, c'est une augmentation des ganglions, une forte fièvre, l'apparition du bubon. Alors, les bubons, c'était soit dans le cou, soit dans l'aine, soit dans les aisselles. Ça pouvait, alors, selon certaines sources, ça pouvait prendre des fois la forme d'une pomme. Enfin, ça pouvait prendre différentes formes, mais on va dire que selon les sources qu'on lit, ça peut être quelque peu aussi exagéré aussi. Donc un bubon, c'est pas forcément quelque chose de gros, mais bon, pour l'époque, c'est vrai que ça, si on voulait augmenter un petit peu le caractère catastrophique de la chose, on disait, oh ben ce truc, ben, il ressemble à une pomme ou à une balle de golf, quoi. Vous voyez un petit peu l'image de la balle de golf. Donc. Et puis aussi, on pouvait aussi constater des troubles digestifs qui se caractérisaient par des vomissements et aussi des troubles nerveux qui étaient ben, des délires, des formes de somnolence. Enfin, ça touchait, on va dire, tout l'ensemble du corps. Et plus la personne, eh ben, plus la personne était atteinte, plus ben, la maladie se développait et plus elle mourait rapidement. En général, ça durait même pas 2 jours.
Donc, c'est une maladie qui tue très vite. C'est une maladie qui est extrêmement rapide. Et c'est ce qui fait qu'eh bien, on connaît cette maladie par le nombre de morts qu'elle a fait. Ensuite, pour couronner, pour donner un bon pompon sur la Garonne, bien sûr, parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, de la peste bubonique, eh bien, la peste pulmonaire arrive. Alors, la peste pulmonaire, c'est quoi? Il n'y a pas de question de puce ou de rat, ça c'est clair et net. Elle se transmet de personne à personne, d'homme à homme. C'est une peste qui se transmet, alors qui touche les poumons, déjà, qu'on se le dise, ça touche les poumons. C'est une maladie qui. Enfin, c'est une peste qui vient principalement en hiver. Alors, la peste bubonique vient en été, la peste pulmonaire vient en hiver. Donc, la population, bien évidemment, ne peut pas se renouveler à ce moment-là. Donc, elle se caractérise par quoi? Ben, déjà, ce mode de transmission, ça peut être des éternuements, des postillons, enfin, comme quand on chope, on va dire, une bonne grippe, quoi. On la chope à peu près de cette façon-là, ben là c'est pareil. Et la tendance est, par où elle pénètre, c'est principalement par les muqueuses. Alors c'est le nez, les yeux, la bouche, enfin bref, tout ce que vous voulez. Elle commence par une légère fièvre qui va augmenter petit à petit. Une gêne pulmonaire va se faire sentir, et plus elle va se faire sentir, plus elle va bloquer, et plus la personne aura tendance à cracher du sang, un peu comme on peut voir dans les films pour les tuberculeux, ben là ce sera un peu la même chose. Et on s'aperçoit que le sang c'est beaucoup moins oxygéné, parce que bien évidemment l'oxygène a du mal à passer. L'asphyxie, puis une cyanose arrive, et quasiment ben, c'est la mort en quelques jours, puisque la personne tombe dans un coma profond. Tout simplement, ben, les gens mouraient aussi rapidement de la peste bubonique que de la peste pulmonaire. C'est juste que l'une affaiblissait vraiment, et l'autre ben, prenait le relais, et ben, ceux qui ont survécu à la première pouvaient mourir pour la seconde. C'est tout simple. Ensuite, le troisième cas, qui est une peste un peu moins, on va dire, répertoriée par les chercheurs, c'est la peste septicémique. La peste septicémique, c'est vraiment le dernier, le comment expliquer ça de façon beaucoup moins lourde? C'est la dernière phase en fait de la peste bubonique. C'est vraiment, enfin, pas forcément la peste bubonique, mais c'est vraiment quand la maladie vraiment a atteint le système sanguin et où ça se. C'est un peu comme si elle se généralisait un peu partout en fait. C'est des symptômes qui sont assez rapides. C'est des symptômes qui sont les symptômes habituels de la peste, mais qui se caractérisent par une vraie rapidité, encore plus rapide que la première. Donc, ce qui fait que les chercheurs ont constaté que ben, ça touchait quasiment tout, ça touchait le foie, ça touchait ça touchait tout en fait. On voit des problèmes cérébraux, le foie et la rate qui sont touchés. On en meurt aussi rapidement que des deux autres. C'est vraiment une peste en fait qui a tendance à se caractériser un peu avec une forme de gangrène, notamment au niveau des extrémités, des orteils et des doigts, qui se caractérise par une hémorragie, par une diarrhée, enfin par une dysenterie, pas par une diarrhée, par une dysenterie. Et ben, ce qui fait que concrètement, on en meurt aussi rapidement que les cas quasiment les autres. Maintenant, on peut s'interroger avec toutes ces données-là, qui sont quand même des données très dures à digérer, et je m'en excuse par avance, même si je me doute que la vidéo va être très très longue, et je m'en excuse aussi. C'est, d'un point de vue local, comment ça se passe? Parce que Toulouse est touchée en fin 47, début 48, on se demande, comment, en fait, Toulouse a pu être touchée, sachant que ce n'est pas un port. Sachant que ce n'est pas un port, sachant qu'il n'y a pas forcément en fait enfin, c'est pas comme Marseille ou comme Venise, donc comment ça se passe? Ben, tout simplement par le canal du Midi, tout simplement. Beaucoup de transports de marchandises se faisaient sur les canaux, donc par voie maritime, et la peste est venue de cette manière-là. Elle a fait un trajet en fait Carcassonne, enfin Narbonne, Carcassonne, Toulouse, tout simplement. Elle est arrivée par voie d'eau. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle fait beaucoup de dégâts en 48, et le pire, ça a été en 1361, qui est aussi une grosse, grosse, un gros épisode épidémique, qui est ce qu'on appelle l'épidémie des enfants, la peste des enfants. Alors,
Ce n'est qu'une supposition, mais je suppose que c'est par rapport au fait que ça a dû toucher beaucoup plus d'enfants et de jeunes que les adultes, ce qui est à peu près logique, parce qu'il y avait un grand nombre d'orphelins, c'est à ce moment-là qui ont été dénombrés. Et c'est une peste qui a fait énormément de ravages. On a peut-être beaucoup plus de documentation sur celle de 61 que de 48. Parce que, bah, tout simplement, il y avait beaucoup trop de morts pour qu'on puisse tous les répertorier. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, tout simplement, ce qui se passe, tout simplement, ben, en fait, c'est que ben, la maladie entraîne en premier lieu un climat de peur énorme au sein de la ville. Et là, on retrouve exactement ce que je vous expliquais en début de vidéo, c'est-à-dire qu'on va s'en prendre aux populations dites marginales, on va commencer à s'en prendre aux populations marginales juives qui étaient tout simplement ben, revenues entre-temps sur la ville parce qu'il y a eu une vague d'expulsion pour des raisons, pour d'autres raisons, en fait, à Toulouse, on les a expulsés, puis certains sont restés, d'autres sont revenus. On s'en est pris à eux, on s'en est pris aux lépreux. Il y a eu des bu y en a qui ont été accusés, en fait, d'empoisonner les puits, ou carrément, en fait, d'avoir comploté avec les princes orientaux, d'autres populations marginales, en mode oui, vous vous êtes liés contre nous, vous nous avez amené le mal, donc bien entendu. On va vous faire votre fête. Ben là, ça a été un petit peu le cas. Malheureusement, ça a été le cas. Et sans compter que ben, c'est la grosse panique générale aussi, on va pas se mentir, c'est une panique qui est dans la vie, c'est une panique énorme. Les populations, enfin, pas les populations, les autorités locales, ben, elles sont tout aussi désarmées que partout. Et on peut souligner au moment où on commence à entendre parler de la maladie, la plupart des nobles ont fui la ville pour aller en campagne. C'est pareil pour le clergé et c'est pareil pour certains membres de l'administration de la ville. Ce qui fait que ben, la ville ne s'est pas retrouvée dans le chaos le plus total parce que beaucoup de personnes sont restées, mais ça fait quand même une grosse part, on va dire, de la population de la vie qui sont partis, sont restés, ben, fait, ceux qui ne pouvaient pas partir, c'est-à-dire les pauvres, certains marchands, des notaires qui ont choisi de rester, des clercs aussi, et des membres de l'administration locale qui, eux, par contre, ont voulu rester pour essayer, en fait, d'arranger tout ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au XIVe siècle, ben, le Parlement ben, s'est expatrié en dehors des murs, tout simplement parce que, ben, cas de peste oblige, on n'a pas envie, en fait, de tomber malade, donc on va gérer la ville d'un peu plus loin, mais on va la gérer quand même. Les clercs sont restés. Pourquoi? Ben parce qu'il fallait administrer les derniers sacrements. Il fallait parfois recueillir les testaments aussi. La partie testamentaire, on en parlera beaucoup plus tard. Et tout simplement parce qu'il y a un devoir, on va dire, d'assistance. Il y a un devoir d'assistance pour le clergé. Les notaires sont restés. Pourquoi? Parce que ce sont des juristes. Parce que bon nombre de notaires travaillaient pour la ville, et aussi parce que les notaires ben, rédigeaient les testaments pour ceux qui le demandaient, pour ceux qui pouvaient le faire, et pour ceux qui en avaient l'opportunité aussi de le faire, parce que quand il y a des morts tous les jours par milliers, on n'a pas forcément le temps en fait de penser à ça. Et une population aussi, enfin une population, une catégorie professionnelle, socioprofessionnelle aussi qui est restée, ce sont les barbiers. Vous allez me regarder en mode, mais quel rapport en fait entre les barbiers et les autres? Ben, les barbiers en fait c'était les chirurgiens de l'époque. Parce que les médecins de l'époque, et je ne critique pas les médecins, c'est un fait, c'est dans les livres, les médecins étaient plus des intellectuels que des médecins, on va dire, à proprement parler. Les barbiers avaient peut-être plus, on va dire, de connaissances en matière anatomique, en matière chirurgicale que les médecins eux-mêmes. Donc, quand il fallait faire des opérations quelconques, on avait recours à un barbier chirurgien. Vous avez également les apothicaires qui sont restés parce qu'ils avaient la connaissance des plantes, les plantes, pas les métaux, mais tout ce qui était substance un peu délicate, ils en avaient la connaissance. Donc, ce sont principalement eux qui sont restés.
Et ce sont eux aussi qui ont travaillé dans les hôpitaux, auprès des malades. Enfin, c'est eux notamment qui ont fait des incisions au niveau des bubons. Donc, les barbiers, ce sont, on va dire, ceux qui sont en toute première ligne avant toute chose. Vient ensuite, eh bien, ceux qui ont trouvé un travail un petit peu particulier, comme les ramasseurs de cadavres, ceux en fait qui se chargeaient de ramasser les morts sur les perrons des maisons, parce que bien évidemment, on n'attendait pas qu'ils passaient. Des fois, on jetait carrément les cadavres devant les maisons parce qu'on ne voulait pas être malade. C'est eux qui les ramassaient et qui les enterraient. Alors, les enterrements aussi, ça c'est toute une affaire. Faut savoir qu'en temps de peste, et à Toulouse c'est le cas aussi, on n'a pas créé des cimetières pour. Ce qu'on faisait, c'est qu'on ouvrait déjà parfois au tout début des tombes déjà existantes, on mettait deux ou trois personnes dedans, on fermait, on mettait de la chaux et terminé. Sauf qu'au bout d'un certain temps, ben, les cimetières étaient pleins à ras-bord, c'était plein à craquer, et ben, faute de quoi, ben, on allait carrément à l'extérieur. On faisait des fosses communes où on mettait des cadavres à des quantités industrielles, si je peux dire ça comme ça. On mettait de la chaux pour stériliser et neutraliser le mal et on refermait, tout simplement. Étant donné, vu le nombre de malades qu'il y avait, au bout d'un certain temps, les autorités ont été obligées de s'adapter. Donc, malheureusement, ça s'est fait un peu comme ça. Et comme partout ailleurs, Toulouse n'a pas échappé en fait au fameux épisode de d'où vient la peste? Qu'est-ce que la peste? Comment on l'explique? Alors on est allé chercher des réponses auprès du clergé, on est allé chercher des réponses auprès des intellectuels, et c'est un peu les mêmes réponses un peu partout, c'est-à-dire que le clergé va dire carrément c'est Dieu qui nous punit, c'est la colère divine, donc il faut apaiser la colère de Dieu. Qu'est-ce que faisaient les gens? Ben, ils faisaient des grandes processions et des prières collectives, tout simplement. Donc on fait des prières collectives. Les intellectuels, eux, ben, ils vont chercher dans les anciens écrits grecs, des médecins grecs, notamment Hippocrate et Galien, qui, eux, dans leurs écrits, relatent plus ou moins des épisodes de peste. Et donc, on va dire, il essaie de chercher des réponses et des enseignements. On va également mettre ça sur le compte aussi d'une forme d'explication astronomique, avec le passage de comètes, d'éclipses, ce genre de choses. En fait, on essaye de trouver en fait l'origine, une origine quelconque à la maladie. Même si elle paraît pas rationnelle pour nous contemporains, pour eux, c'était carrément, ben, c'était, on va dire, les explications de l'époque. Et c'était les explications, pardon, qui faisaient foi. Et donc, après tous ces épisodes de peste qui pouvaient se rythmer quasiment à chaque année ou tous les 3 ans, tous les 4 ans, parfois c'était espacé de plusieurs décennies, comme ça revenait quasiment excessivement souvent. On va essayer, tant bien que mal, à relancer la ville, à relancer l'économie de la ville, à essayer de redonner vie à la ville après ce genre d'épisode. On s'y prend comment? Ben, c'est très simple, on va essayer d'attirer les personnes des campagnes, ceux qui sont à la recherche de travail bien payé. On va essayer d'attirer tout ce petit monde. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une forte immigration des campagnes vers les villes, donc les campagnes se vident, il faut savoir ça, les campagnes se vident énormément. On va là où le travail, en fait, nous. Là où il y a du travail, bien sûr, on le voit encore maintenant, et avec quoi? La promesse d'un salaire attractif, bien payé, et c'est comme ça que plus ou moins on arrive à renforcer, plus ou moins, à relancer l'économie, on va dire, de la ville. On fait venir également des spécialistes de l'extérieur, des notaires qui viennent de l'extérieur, car on va pas se le cacher, les notaires, les barbiers, les clercs mouraient autant que les malades eux-mêmes, car ils étaient en première ligne, ils étaient au contact direct avec les malades et beaucoup d'entre eux mouraient. La ville essayait tant bien que mal pas de renouveler, mais de, comment expliquer ça? De faire en sorte que des notaires de l'extérieur veulent bien s'installer,
Mais il fallait qu'il y en ait toujours qui soient présents. Donc, on va essayer d'emmener ce genre de personnes à l'intérieur de la ville, tout simplement pour relancer la dynamique de la ville, pour essayer tout simplement de faire en sorte que la ville continue sa route, en fait. Voilà ce qu'on peut en dire. Je pourrais aussi revenir sur, par exemple, les conditions de, sur les, comment dire, sur les mesures qui ont été prises également en temps de peste. Alors, les mesures en temps de peste, ben, c'est tout simple. C'est si un cas de peste est détecté, ben, toute la famille est en quarantaine déjà. Bien souvent, on les enferme à l'intérieur de leur maison, on les nourrit par le biais de plateaux repas. Si une personne mourait, si le malade mourait, ben, la famille était transférée ailleurs. Les biens personnels du malade sont détruits. Alors, personnel, ça peut être c'est les meubles, c'est tous les effets sont détruits, passés à la chaux, et la maison elle-même est passée par la chaux aussi. On veut en fait désinfecter plus que ce qu'il faut en fait pour tuer carrément le germe. On fait en sorte que le plus possible à ce que la maladie en fait ne reste pas dans la maison. Si on ne peut pas, si ben, tout simplement on ne peut pas faire ça, on envoie carrément les malades dans les hôpitaux. Les hôpitaux feront l'objet d'une autre partie beaucoup plus tardive en fait d'une vidéo, en espérant qu'elle soit moins longue que celle-ci. Les hôpitaux à Toulouse, celui qui gérait le plus de pestiférés, c'était l'hôpital Lagrave, qui est encore là hein, même à l'heure actuelle, qui est toujours un hôpital d'ailleurs. C'était celui qui accueillait le plus de pestiférés à cette époque-là. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je peux dire à propos de la peste. Il ne faut pas hésiter à me poser des questions, peut-être. Alors je sais que la vidéo va être ultra longue, j'en suis désolée, mais j'avais beaucoup de choses à dire et c'est la première que je fais, donc je pense que ça va s'améliorer au fil du temps. Surtout que j'ai beaucoup de mal à synthétiser mes idées, donc c'est compliqué pour moi. J'espère que la vidéo va vous plaira et vous aura plu pour ceux qui vont la regarder. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et moi ça m'encourage peut-être aussi à continuer la série. À vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prochain épisode, ce sera sur la lèpre, qui est aussi une autre maladie contagieuse que je vais traiter. Donc restez connectés. Je vous fais cet épisode moins long, je l'espère. Et je vous dis à très bientôt. Bisous!